Bon, attendez, qu'est-ce qu'on regarde? Ah, ça, on avait vu, là, Survivre 5 jours en enfer de Combo. Combo, honnêtement, dernière fois, on avait fait une très belle découverte, quand même. Le jeu vidéo qui brise ses joueurs. Non, ça j'ai vu le truc de Kamel, j'ai vu le jeu qui était lié. La dernière est top. Ouais, c'est celle-là, là. Mais moi, en même temps, j'ai plein de classiques que j'ai pas vus. Le Ravager, ah si, une dernière fois, on avait découvert avec Hitman. On va regarder il y a un peu longtemps pour voir quelle vidéo j'ai loupée qui peut être bien. Elle est ouf, la dernière. La dernière, c'est genre vraiment son banger. C'est vraiment genre une folie. Ou. On a fait des vidéos combo. Hein. Hades, j'ai pas vu non plus. Oui, elle est incroyable. Oui. C'est un de ses classiques. Ah ouais, à ce point? Ah, vous donnez envie quand même. C'est vrai que Combo, il fait des vidéos entre 15 et 20 minutes, c'est pratique. Ils sont vraiment bien. Allez, on y va. À votre avis, c'est quoi ce bruit? Bon, on va découvrir. C'est une scie. Bon, ok, on y reviendra plus tard. Fear and Hunger est un jeu vidéo particulier. J'ai pas vraiment d'autres mots pour le décrire. C'est pas un mauvais jeu, hein. Loin de là, c'est un jeu fabriqué par une seule personne qui a fait naître des chaînes YouTube, qui a fait naître des chaînes de podcasts dédiées, qui a 95% d'évaluations extrêmement positives sur Steam. Sans même avoir lancé le jeu, vous comprenez qu'il a probablement ce petit truc en plus. Donc oui, vous J'avais devriez jamais jouer, entendu parler de la ce vidéo jeu. peut attendre, mais il y a de très grandes chances que vous ne reveniez sur cette vidéo que pour m'insulter, parce qu'il y a de très grandes chances que votre première partie se passe à peu près comme la mienne. C'est-à-dire choisir un perso, apparaître dans la cour du donjon sans tuto, ni journal de quête, sans map, ni direction où aller, rien d'autre qu'un cheval décédé que le jeu va vous proposer de frapper, ce qui va faire suffisamment de bruit pour attirer deux dogos qui vont vous bouffer. Il n'y a rien dans le jeu comme aide, et en fait, en fonction de ce que tu fais, tu peux mourir direct. Et un retour à l'écran principal. Est-ce que vous connaissez le concept d'armure en scénarium? En fait, oui, vous le connaissez forcément. C'est ce truc qui dit que quand vous allez voir un film et que George Mais Clooney Foden, est en danger de mort dans les... Mais Cédric, alors Foden que vous voyez, c'est notre alternant. Merde, j'ai pas fait exprès MDR. Il vient d'épingler un message, sa voix m'horripile trop. C'est notre alternant, c'est notre CM, comment on retire pitié? Oui, la moitié des trucs, il est en découverte, il ne sait pas trop ce qu'il fout. La dernière fois, on est allé à Liévin, il a dû se réveiller à 6h du mat, ça fait 2 semaines qu'il m'en parle. Il m'a dit, j'ai dû tout le week-end, etc., j'ai dû me reposer pour me... Il est d'ailleurs sur mon dernier biril, puisque je possède désormais un biril, et je possède un biril public. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est quelque chose. Il avait un maillot de Foden. Bon, vas-y, Cédric, on te laisse désépingler. Mais vraiment, pardon, la team. Ah, mais on sent que tu passes des petits messages. À droite, à gauche. Je vais le faire, je vais le faire, parce que sinon, c'est un manque de respect Minute, pour vous Combo. savez très bien qu'il n'est pas Maillot Foden, c'est réellement en validé. danger de Elle a des mort et bonnes qu'il va restes. obligatoirement s'en sortir. Déjà parce que c'est le Bon, cas on y quand la tête retourne. est en 4x4 sur l'affiche du film, mais surtout parce qu'à 14 € la place de ciné, le film ne peut pas durer 5 minutes. Domingo Et a l'air ce horrible concept, comme on le boss. retrouve aussi Un dans la cauchemar. plupart des jeux vidéo. Parce qu'après avoir Moi, acheté j'aime un bien jeu, savoir à on Combo, n'a j'aime pas beaucoup. envie que notre première interaction, ce soit une mort violente suivie d'un retour brutal à l'écran de démarrage, mais Fear and Hunger, visiblement, n'en a rien à faire de l'armure en scénarium. Et apparemment, va falloir s'y habituer parce que mourir sur un canidé en seulement 12 secondes alors qu'on a lancé le jeu dans sa difficulté la moins élevée, c'est quand même plutôt embarrassant. Cela dit, je vous l'accorde, c'était peut-être un peu court. Ma seconde partie était sans doute un peu plus parlante. La première étape, c'est de choisir un des quatre personnages. Il y a le mercenaire, il y a la chevaleresse, il y a le prêtre obscur et il y a le voyageur. Chacun d'eux a des stats, des capacités différentes, mais tous souhaitent rentrer dans le donjon pour la même... C'est du feld-up, le ton, le rythme. Ah bah raison. c'est feld-up tout craché là. Les gars, il y a des gens, ils font la même chose, ils racontent des histoires. Alors, ils racontent des histoires sur plein de domaines, les gens sur YouTube désormais, mais là c'est. Retrouver le chevalier, Il y en le a, vous gars. forcez un peu Soit quand pour le même. voler, soit pour le sauver, soit pour le tuer, soit... C'est compliqué, mais c'est la seule info qui nous est donnée. C'est visiblement le but du jeu. Faut juste trouver un gars et s'échapper du donjon. Ça peut pas être
si compliqué que ça. Cicérator tout craché. On y reviendra. Quel que soit le personnage choisi, la partie débute toujours de la même façon. Seul, dans la cour du donjon de Firenhugger, sans tuto, ni journal de quête, sans map, ni direction où aller, rien d'autre qu'un cheval décédé qui attire notre attention. Mais cette fois-ci, on va éviter de jouer à piñata cheval pour plutôt directement rentrer dans le donjon. Ça, tu tombes à droite, là, non ? Petite goutte. Bon, l'atmosphère est brillante. Bah, t'attends brillante juste de savoir quand tu vas te faire niquer, quoi. C'est exactement la direction artistique que j'attends à mon enterrement. Côté interface, on a une barre de vie, classique, mais aussi une barre de faim et de peur, d'où le nom du jeu. Et ces deux barres, elles se drainent continuellement, donc de façon tout à fait logique, pour éviter de mourir de faim, rire, il faut le prime. Se nourrir. Pour éviter de devenir fou, il faut consommer de l'alcool ou de l'opium. Et je vous l'accorde, c'est probablement la pire façon de résister à la folie dans la vraie vie, mais dans un lieu où la créature la moins effrayante, c'est ce géant qui est en train de me foncer dessus, ça se discute. D'ailleurs, j'ai pas réussi à le semer, le combat s'est lancé, et il t'allume. Pause, il faut qu'on parle de censure. La censure fait mal. Dans 99% des cas, c'est mal. Ici, la censure, c'est plutôt cool. Le garde que vous voyez actuellement n'est pas le véritable garde de Firenhugger. Disons qu'à la place de sa jolie petite jupe en cuir, se trouve normalement une troisième jambe. La version courte de l'histoire, c'est que Firenhugger est assez largement inspiré de Berserk. Donc la gargantuesque liste de trigger warnings qui accompagne ce jeu ne devrait pas être une surprise. C'est typiquement le genre de jeu qui donne envie de contacter un thérapeute, et un des outils fréquemment utilisés... Ah, y a de la goule. C'est la nudité. Une nudité y a de la goule exhibitionniste, quoi. Qui n'est pas là pour choquer gratuitement, ah oui. Qui est là pour créer un Chargé. Sentiment de malaise chez le joueur. Et entre vous et moi, ça fonctionne. Mais pour créer du contenu autour du jeu, bah, le petit mode de censure est obligatoire. Car sinon, j'aurais pas pu vous montrer ce fort bien membré garde, et j'aurais pas pu vous parler du système de combat de Firenhugger. Un système de combat basé sur la joyeuse notion... Ah oui, d'accord, le dart, ça peut être... ...démembrement. Là où dans les RPG au tour par tour classique, vous allez être mis face à de nombreux ennemis et allez devoir choisir dans quel ordre vous souhaitez les vaincre, dans Firenhugger, vous ne serez mis que face à un ou deux ennemis et allez devoir choisir dans quel ordre vous souhaitez les découper. Choisir ah oui, d'accord. Le bras en priorité paraît être une bonne idée, mais les jambes pourraient le mettre au sol plus vite. Viser la tête directement est aussi une option, mais du coup, beaucoup plus risqué. C'est assez basique, assez facile à comprendre, mais là où ça devient rigolo, c'est que l'ennemi, bah, il va faire exactement la même chose. Ah ouais, du coup, notre après tu te balades avec une jambe, quoi. Lui aussi composé de parties du corps, et lorsqu'on perd. Il est sorti quand ce jeu ? Bah, on le perd pour le reste de la partie. Et perdre un bras encore, ça va, on peut plus porter de bouclier ou d'arme à deux mains, mais en perdre deux, c'est déjà beaucoup plus délicat. Et mais après, tu rentres 2018, pas besoin de ok. Ce qui se passe lorsqu'on perd ah ses ouais. Jambes ou ses yeux. Ah, ils adaptent, c'est pas mal. Ça m'est pas arrivé sur ce combat, puisque j'ai réussi à tuer ce garde et donc pu récupérer en récompense le colossal montant de. Absolument rien, en fait. Pas d'objet. Tu dois dodge au maximum ou de les combats. D'expérience. Un bon gros, y a rien à voir ici, mon gars. Retourne plutôt explorer. Et étonnamment, côté exploration, bah, ça a été plutôt paisible en vérité. Je suis tombé sur un hôtel, j'ai prié et rien ne s'est passé. Ce qui est plutôt réaliste pour le coup, et quelques pas plus tard, j'ai même fait une agréable rencontre. Un personnage amical. Son nom c'est Buckman, il m'explique qu'il est tétanisé parce que le bien nommé Trortrur, le torsionnaire du donjon, le pourchasse. Il est juste en speedrun pour aller se planquer dans une chambre dans laquelle se trouve un lit, et le lit, c'est la ressource la plus précieuse de Firenhugger. Pas parce que dormir permet de se régénérer, mais parce que dormir permet de sauvegarder. Il y a aucun système de sauvegarde automatique dans le jeu, et interagir avec un lit, c'est le seul moyen de le faire. Sauf qu'on n'est pas dans n'importe quel jeu vidéo. C'est évidemment pas si simple que ça. À chaque fois qu'on décide de sauvegarder, il faut choisir. Choisir entre pile ou face. C'est un 50-50. Vous faites le bon choix, la sauvegarde est acceptée. Sinon, vous ratez, fini. Comme moi lors de cette partie, et... Et bah c'est pas une bonne nouvelle du tout. Sur démarre du début. Oui, ça fera l'affaire. Ah, il t'a démembré intégralement. Voyons, voyons. Tu n'as pas besoin de tes jambes, n'est-ce pas ? En tout cas, plus maintenant, c'est certain. Tu n'aimes pas le tremblement de la douleur ? Dans ce monde froid, quand t'es solo à dev un jeu comme ça, déjà, faut... Mais tu sais... L'inspi et les brossons, hein. Les plaisirs ne sont pas si éloignés.
Ce qui cause de la douleur à autrui peut apporter du plaisir à quelqu'un d'autre. Là où tu vas, tu n'as pas besoin de bras. Moi, je pense qu'on va tous se les faire. Hein. Laisse-moi retirer tes parties sales et coupables. Et que ça saute. Ah, c'est chiant, une chance sur deux de se faire ça à chaque fois quand tu saves, bon... Et un nouveau retour à l'écran principal. Parce que j'ai essayé de sauvegarder. Ouais, voilà. Je vous cache pas qu'à ce moment-là, j'ai une réaction d'enfant. Je me suis dit, mais c'est pas juste, en fait. Je ne mérite pas de mourir comme ça. Depuis le début de cette partie, je fais attention à ma santé, à ma barre de faim et de peur. Je prends le temps de ramasser tout ce que je trouve et d'entrer dans chaque nouvelle salle avec prudence. Et là, on m'annonce que je vais devoir recommencer à zéro parce que j'ai essayé de sauvegarder. Soit il y a une chose qui, visiblement, m'échappe et je comprends pas ce que j'ai sous les yeux, soit le jeu est terriblement injuste. Spoiler. Oui. Ouais, le jeu est terriblement injuste. Est-ce que ça m'a arrêté? Ce qui est youtubeur, c'est Combo, K-O-M-B-O. Et je saurais même pas il vous a plein dire de vidéos géniales. Réellement. Je crois pas que ce soit la direction artistique, merci bien à très jolie, pour le lien. Ni même la musique ou l'ambiance. Je crois que c'est surtout le fait que ce donjon me résiste. Comme s'il me criait au visage de ne plus revenir l'explorer, de ne plus lancer de nouvelles parties. Et c'est bête. Mais je peux pas m'empêcher de penser que lorsqu'une chose est difficile à atteindre, honteusement surveillée et cruellement bien gardée, c'est qu'elle est forcément précieuse, non? En tout cas, c'est ce qui m'a donné envie d'envoyer une des une fois qu'elle est dans la boucle, c'est le problème, et quoi. Et j'aurais aimé vous dire qu'avec de la détermination, j'ai pu avancer et en sortir victorieux, mais... Non. Absolument pas. Le jeu m'a... piétiné. La note suivante, j'ai simplement marché sur un clou rouillé et je me suis vidé de mon sang. Celle d'après, il y a juste un trou qui s'est ouvert sous mes pieds et ça m'a explosé les deux jambes. Juste après, je me suis retrouvé coincé dans un puits à merde pour l'éternité. Puis j'ai voulu retirer Excalibur de mur et finir enseveli. À nouveau rendu buste parce que je croyais être une assiette empoîtrée au sol. Je suis mort d'éboulement, de faim, de soif, de décapitation, de démembrement et de tout un tas de choses que je ne peux même pas décrire en vidéo. Vous savez combien d'heures de jeu ont été foutues en l'air dans les 9 dernières secondes de cette vidéo? Wow. Beaucoup, beaucoup trop. Honnêtement, au début, on voyait stade, 200, 300 heures, je crois. Le jeu m'a donné 1001 raisons d'arrêter. Pourtant, j'ai toujours cru que j'aimais profondément les jeux difficiles. Sincèrement, mettez-moi sur une île déserte quelques années avec juste une paire de Dark Souls, un petit Darkest Dungeon et 6 tonnes de Doritos Sour Sweet Chili Pepper et vous ne m'entendrez pas dire bon choix une seule fois que je m'ennuie. Mais là, je comprends juste pas. Si ce jeu est supposé être un jeu de rôle, visiblement je joue le rôle de la victime et c'était rigolo au début, hein. Mais se faire oblitérer ses heures de jeu sur un pile ou face, un ennemi random ou un événement aléatoire, c'est juste beaucoup trop cruel. Et très honnêtement, je vous le dis sans avoir les fesses qui claquent, ouais, à ce moment-là, je n'ai plus aucune volonté de relancer une partie. J'ai non, mais tu pas le fais quand mental même pour ça. Fear and Hunger m'a brisé. Ah non, il allait au bout, quoi. Au bout de 15 games et des centaines Fear d'heures... Fear and Hunger n'est pas un jeu difficile. Enfin, pas difficile au sens que peut l'être un Dark Souls, c'est pas mécaniquement difficile. La vérité, c'est juste que Fear and Hunger joue avec ses propres règles. Bienvenue Noémie, merci pour le Prime. Terriblement cruel, que le joueur n'a aucun autre choix que d'accepter. Une des façons que le jeu a de vous infliger sa cruauté passe par l'aléatoire. Tout est ouais aléatoire dans le jeu. Marche sur un clou qui n'était pas visible. La disposition bon du donjon est aléatoire d'une partie sur l'autre. Les loots, tous les loots sont aléatoires d'une partie sur l'autre. Le seul objet que j'ai l'impression de trouver fréquemment et à des endroits fixes, c'est la scie à os. Et la scie à os est une très mauvaise arme. Même le lore du jeu est révélé aléatoirement. Et quand bien même il est révélé, il le sera de la façon la plus Fear and Hunger-esque possible, c'est-à-dire à demi-mot et en mentant la moitié du temps. Vraiment. C'est un jeu qui renferme des secrets à l'intérieur de secrets qui sont eux-mêmes dans des secrets. Et qui l'a fini là? On veut les mecs qui se sont butés qui ont 8000 heures là. Qu'il existe tout un système de cuisine, d'artisanat ou de jardinage. Vous pourriez ah, finir il s'est chauffé le dev quand même. Hein. Sans jamais savoir qu'il existe un système de progression tout simplement pour apprendre de nouveaux sorts et de nouvelles techniques. Et oh je oui crois que tout ça, c'est pas uniquement là pour briser mentalement les joueurs. Y a aucune histoire de vendetta personnelle là-dedans. Ce qui se cache derrière ce game design contre-intuitif au possible, ce qui se cache derrière ce qui pourrait passer pour de la cruauté pure, c'est que Fear and Hunger n'a pas décidé de récompenser ses joueurs avec un chiffre qui augmente, un petit bruit satisfaisant et 3 dégâts en plus au prochain combat. Il a décidé de les récompenser avec de la connaissance, en créant des moments que j'ai scientifiquement appelé le « on ». Mais c'est pour ça en fait. Le clou rouillé par exemple, c'est probablement le truc qui a explosé le plus de mes runs. Ah, choper une infection gratuitement et inévitablement crever quelques minutes plus tard juste parce qu'on a marché au mauvais endroit, c'est incroyable. Ah, faut plus marcher crever sur les planches. Hein. Sauf que si vous vous souvenez du fait que nos personnages
peuvent perdre leurs membres. Si vous vous souvenez que des Siaos sont fréquemment disséminés un peu partout à travers le donjon, et si vous vous souvenez du bruit que je vous ai fait écouter en début de vidéo, bah vous comprenez que... Pour ça en fait. Hop là. Bon, d'accord, je vous l'accorde, c'est dégueulasse. Et sur le papier, c'est tout con. Mais le fait de s'en rendre compte par soi-même, je vous assure que l'espace d'un instant, on croit être un génie. Et c'est franchement plutôt agréable. Surtout que des moments comme ça, Fear and Hunger en fait vivre des dizaines. Parce qu'il est là le véritable système de progression du jeu. Le jeu ne cherche pas à briser ses joueurs. Il cherche à les former. La plupart du temps via une mécanique d'apprentissage par le DC. Oui, et nul besoin de préciser que c'est très peu fonctionnel IRL, mais... Le moment où on réalise que c'est pas le personnage qui gagne de l'expérience, mais celui qui le contrôle. Que chaque mort est en réalité une montée en niveau détourné, et que ces morts, il faut les chérir plutôt que les maudire. C'est le moment où tout s'inverse. C'est le moment où le joueur se dit qu'il peut, à son tour, briser... Pour contourner les pièges et tout, quoi. Hunger. On doit y en avoir tellement. On est sur ma 29e run. Ça fait précisément 3 semaines que Fear and Hunger me ponce le crâne avec le côté vert de l'éponge tous les jours. Sauf qu'à force de me distribuer des moments de... Des familiers qui tuent, c'est là, pour t'avais... ça en fait. T'as des gens, genre, je commence à la comprendre un peu mieux, cette salle de torture digitale, et cette fois-ci, j'ai un plan. Plan en 4 étapes. La première, c'est de faire des réserves. Le but, c'est de ne plus jamais avoir à se soucier d'un manque de nourriture. L'idée, c'est de piller l'entièreté de la première section du donjon en évitant... C'est toujours la même pattern. On fouille tous les tonneaux, tous les coffres, toutes les bibliothèques. On devrait tomber sur pas mal de nourriture et on devrait aussi tomber sur une cage dans laquelle se trouve la petite fille. Et la petite fille se trouve être la pièce maîtresse de ma deuxième étape, obtenir la meilleure arme du jeu. Cette arme, c'est la Claymore. Elle est vendue par Pocket Cat, le marchand itinérant de Fear and Hunger, qui se trouve dans les mines et qui n'accepte comme paiement que des enfants humains. Pas glauque. Troisième étape, devenir le meilleur personnage du jeu. Dev, et pour ça, on va devoir faire un raid sur cet étrange village raciste, délivrer Darcy, la chevaleresse, et l'épouser. Ce qui, dit comme ça, ne doit pas être très clair, mais le mariage dans Fear and Hunger est un concept un peu particulier. En fait, en se rendant sur un cercle de prière et en montrant son amour à un autre personnage, il y a une cinématique que je peux vraiment pas décrire qui va se jouer, et le résultat sera... un mariage. Mais pas un mariage dans le sens ils vécurent heureux et eurent 8 enfants, plutôt dans le sens ils vécurent dans le même corps et eurent 8 chromosomes restants. Dans Fear and Hunger, vous ne consommez pas le mariage, vous devenez le mariage. Et le mariage, il tape fort. Encore plus fort, avec la meilleure arme du jeu entre les mains. Maintenant, la seule chose qui manque, plan, là. C'est d'obtenir la meilleure armure du jeu. Et c'est la quatrième étape de mon plan. L'armure de pénitence. Problème, elle est aussi livrée avec des pics internes prévus pour provoquer une douleur si folle qu'elle empêche le porteur de sombrer dans la folie, et il ne faudra pas plus de 3 minutes à mon perso pour se vider de son sang une fois à l'intérieur. Solution, l'anneau de sang inerte. Un anneau qui empêche toute forme de saignement et qui, pour je ne sais quelle raison, se trouve sur ce gars-là. Et là, uniquement là, on a tout juste assez de puissance pour affronter ce donjon maudit. Pour faire face à tous les ennemis chelous que le jeu nous jette au visage et être insensible à la majorité de ses pièges. Il n'y a que comme ça que j'ai pu m'en sortir. Il n'y a que comme ça que j'ai pu, pour la première fois, atteindre le garde et assister à mon deuxième moment préféré de Fear and Hunger. Le moment où on se dit que finalement le jeu n'est peut-être pas si cruel que ça. Qu'il fallait juste avoir un plan de jeu et s'y tenir. Le moment où, muni de notre belle armure de pénitence, mariage avec les morts, on ouvre la porte de la cellule de Legarde et c'est pile ou face. Décédé. Ok, ce qui se passe en fait, c'est que Fear and Hunger est aussi secrètement un speedrun. En réalité, lorsqu'on pose un premier pied dans le donjon, il y a un chrono qui se déclenche et 30 minutes plus tard, Legarde décède. Ce que ça veut dire, c'est très simple. C'est que tout ce que je croyais savoir jusqu'à présent, ces étapes que j'ai découvert et intégrées à ma run pour devenir plus puissant et plus résistant, c'est direction la corbeille. Parce que traverser l'entièreté de ce donjon en moins de 30 minutes, ça veut aussi dire pas de réserve, pas de mariage, pas de clé mort, pas d'armure de pénitence. Il n'y a aucun autre choix que de rush comme un idiot en ne prenant aucune précaution. Et ça... Naturellement, je l'allais à toi. Oh, mais ça te donne envie de tout arrêter quand tu... Il a l'air vénère, lui. Je vais même pas vous dire combien de runs ça m'a pris pour à nouveau atteindre le garde, mais cette fois-ci sans aucune précaution. C'est personnel, je vous permets pas de juger. Pas mal de runs.
Le seul avantage, c'est qu'à ce stade, ce donjon, on le connaît beaucoup mieux. Déjà, on connaît à peu près le chemin pour atteindre le garde, on sait plus il a quand même cherché aller la fille. Où ne pas aller, quel combat prendre et lequel absolument esquiver. Donc, en jouant de la façon la plus lâche possible et avec un peu de chance, j'ai pu une nouvelle fois atteindre le garde. Cette fois-ci, en moins de 30 minutes, et cette fois-ci, il était bien vivant. Et puis de là, bah sur le papier, il n'y a plus qu'à la récupérer dans son équipe, refaire le chemin à l'envers jusqu'à la sortie, et GG well played. Sauf qu'à la toute dernière seconde, on est mis face à un choix. Et il y a plusieurs moments dans Fear and Hunger où le joueur est confronté à un choix. Souvent le choix entre la peste et le choléra, entre mourir et mourir lentement, c'est pas un jeu tendre. Mais ce choix-là, il est vraiment pas comme les autres. Au moment de s'échapper, le garde nous dit que sa mission dans le donjon n'est pas terminée et nous propose soit de l'accompagner à nouveau, soit de s'en aller. Et vous pourriez choisir de partir. À aucun moment, le jeu ne vous indique que c'est une erreur. Vous auriez même un écran de fin de jeu et les crédits qui défilent. Vous pourriez Alt F4 et le désinstaller, sans jamais y toucher à nouveau, en pensant en avoir fini avec ce jeu cruel. En pensant avoir battu Fear and Hunger. Mais ce serait une terrible erreur, parce qu'en acceptant d'y retourner et en accompagnant le garde un peu plus loin dans les profondeurs de ce donjon, il reste un endroit inexploré, un long couloir au bout duquel se trouve une porte, et derrière cette porte se trouve beaucoup plus. Oh là là, les catacombes. Ah, c'est une ville. Le voilà, mon moment préféré de Fear and Hunger. Le moment où tu réalises qu'il existe une gigantesque cité ancienne, peuplée de dieux, de voyages dans le temps, d'ennemis indescriptibles, de nouvelles zones, des dizaines de boss et toute une mythologie. Ce moment où tu réalises que le donjon de Fear and Hunger, le donjon qui t'a donné des cauchemars pendant probablement des semaines, ce n'était que l'introduction. C'était ça, en fait, le tutoriel. Mais le gars, c'est... Et il est solo, celui qui a fait tout ça, en plus ? Ouais, c'est épinglé, Manu. Wow. J'aurais aimé vous dire que je suis tombé sur ce jeu sur une disquette dans le vieux garage de mon oncle ou aléatoirement en scrollant sur Steam, soir de solitude, mais ce serait un mensonge. Je suis tombé sur Fear and Hunger parce qu'un de mes créateurs de contenu anglophone préféré, Super Ipad Wolf, en a fait une vidéo intitulée « Le jeu vidéo le plus cruel ». Et en réalité, je ne crois pas que ce soit un jeu si cruel que ça. En tout cas, c'est pas le ressenti que j'en ai. Je crois qu'en vérité, c'est un jeu plutôt respectueux. Pas respectueux de nos heures de jeu, oula, non, clairement pas. Mais respectueux de notre capacité à comprendre ce qu'il nous crie au visage depuis la première minute de jeu. Ce qu'il nous crie au visage en cachant ses propres fonctionnalités, en faisant tout l'inverse de ce que l'industrie du jeu vidéo essaye de faire depuis des années, en sacrifiant des personnages que vous aviez juré de protéger et en vous faisant tout perdre, continuellement, de la façon la plus injuste qui soit et sans aucune pitié. Et ce message, c'est que Fear and Hunger n'est pas un jeu vidéo, et que si vous le voyez comme ça, vous allez être très déçu. Parce que je crois qu'il n'essaie même pas de l'être. Ce que Fear and Hunger essaie d'être, c'est pas un jeu, c'est un simulateur de donjon maudit. Évidemment, si tu sautes dans un trou, tu vas te péter les deux jambes, évidemment. Si t'es infecté jusqu'à l'os, y a pas beaucoup d'autres choix que d'amputer. Si tu te fais attaquer par un homme lézard de 3 mètres, la meilleure solution, c'est sans doute de fuir. Bien sûr, qu'en tapant une sieste dans un donjon rempli d'ogres, t'as une chance sur deux de te faire croquer, ou que de sauter dans la fosse qui semble dégager une forte odeur fécale, c'est probablement une idée de merde. Fear and Hunger n'essaie pas d'être équilibré, n'essaie pas d'être juste, n'essaie même pas d'être agréable en vérité, et c'est parce qu'il n'essaie pas d'être un jeu vidéo. Il essaie d'être vrai, cruellement vrai, et ça, oh, le plan. Le fait cruellement bien. Et très très fort combo. Hein. J'ai découvert tardivement, mais putain, bah, par contre, comment ça me donne pas envie de jouer? Il y a des gens qui me disent ah vas-y lance le jeu et tout. Oh, alors là, Ati, merci pour le prime. Combo, c'est un crack. Ah ouais, c'est vraiment c'est très très costaud. Hein. Vraiment pour le coup, on va peut-être regarder la vidéo sur Hades parce que c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, que j'ai découvert tardivement aussi Hades, mais on m'a dit qu'elle était bien. Mais je vois pas pourquoi MDR. Mais Kamel, attends, il a réact ça, puis il a joué ou on lui a dit de jouer à ça? Parce que je l'ai vu jouer vite fait. C'est un bourbier sans nom. T'as qu'une envie, c'est... Banger Hades. Il a joué avant. Ah ouais. Mais ça va, il a réussi à en sortir ou pas? Parce que, tu vois, typiquement, moi, un jeu qui m'avait fait, alors pas tomber dans la folie, mais un peu donner envie de tryhard, c'était Geometry Dash.
Je crois que c'était la vidéo d'Ego sur le niveau le plus difficile sur Géométrie Dash et tout, parce que t'as envie, tu vois, c'est genre 4-5 clics, t'as envie d'aller le plus loin possible, tu te dis peut-être sur une folie, ça peut bien se passer, le scénario parfait peut arriver sur genre 20 secondes de suite, quoi. Là, j'avoue que... Il allait react et Bibi lui a dit « Tu comprendras jamais de toi-même. » Ah putain. Ah ouais, il s'est chauffé. Ah, c'est mon fameux 4%. En effet, quand même le 4% Hades. La quête impossible pour finir Hades. Je pense qu'on va se mettre ça. On va se mettre ça. Comme ça, 3%. N'hésitez pas à aller voir Combo hein, en attendant. Attendez, je vais juste vous mettre de la musique. Je vais chercher à boire. Et on va regarder Hades. Kamel a fini le jeu. On est sûr de cette info ? Netheos, merci pour le Prime. J'arrive. Non. Fake. It's a prank. J'arrive. Heureux. Alors. Vous êtes là ? What a fail, super... Owen, je crois que ça fait vraiment 10 fois que tu me mets le message. Ah non, 2 fois, pardon, excuse-moi. C'est juste que il y avait d'autres gens qui disaient pareil. Excuse-moi. Sponsor combo ce soir. Oh, on va se mater une deuxième petite vidéo de combo. Ensuite, on verra ce qu'on fait. On est là. Magnifique. J'utilise jamais. Magnifique. T'as vu le jeu Content Warning ? J'ai vu vite fait ! J'ai pas tout regardé encore, mais j'aimerais bien le faire. Mais après, c'est un jeu qui va faire peur à Gigi, ça. Ça, moi, nous, on pourra jamais jouer à... Enfin, avec Gigi, en tout cas. En même temps, Gigi, sur ce genre de jeu, ça serait quelque chose. Mais c'est... C'est quelque chose. Non, je suis parti. Ok. Je suis en somme, j'ai pas réussi à avoir le badge. Normalement, si, moi, je te vois avec, faut juste que tu F5, Manu. Mais le terme chef-d'œuvre. Il abuse, il a peur de ça. Il fait pas si peur. Il avait vachement peur, genre Lethal Company, par exemple. Légère. Gigi, c'est quelque chose. L'employé pour parler d'Hadès, ne serait-ce Hadès, sa qualité cette pépite. Sa direction. Merci Alexis. Sa quasi infinie diversité de Oh, plutôt naturel, ouais, pour le coup. Non, ça devient c'est une habitude. Le fait merci que Alex. Chaque run soit différente et addictive comme du crack. On est sur quoi ? On regarde la quête impossible pour finir Hadès. Et après on verra ce qu'on fait. Juste sa musique en fait. Hades, moi j'ai fini, mais sauf pas jusqu'au bout, tu sais. Tu dois le finir un certain nombre de fois après avec les malus là, ou je sais plus ce que c'est. C'est un problème. Pourquoi ? Parce que le minimum qu'on puisse réclamer d'un chef-d'œuvre, ah ben voilà. C'est juste de pouvoir le terminer. Et dans le cas d'Hades, ce n'est pas possible. Il y a le 2 qui sort, il sort quand le 2 d'ailleurs ? Ou en tout cas très improbable. Mais avant de vous en parler, j'aimerais vous présenter Warpass. Warpass, c'est un jeu de stratégie en temps réel. Le petit Warpass ! Mais ouais, Warpass, c'est bien. Et Zagreus ne souhaite qu'une chose, cette année. S'échapper voilà, du folie, foyer ça. Familial. Le problème, c'est que le foyer familial, c'est ce que Papa Hadès appelle affectueusement son domaine et ce que le commun des mortels appelle l'enfer. L'idée, c'est de choisir une arme et terrasser toute forme de vie présente dans ces 48 salles infernales tout en essayant, tant bien que mal, de construire un build qui ressemble à peu près à quelque chose grâce aux différents bienfaits que les dieux nous jettent au visage. Sauf qu'Hadès, c'est un roguelike. Et ce que ça veut dire, c'est que dans les faits, avec plus de 600 bienfaits différents, je n'ai jamais joué à Hadès, de façon totalement aléatoire, peu, mais... on va devoir trépasser des dizaines et des dizaines de fois jusqu'à ce que les dieux nous bénissent d'un début de build suffisamment gainé pour réellement pouvoir affronter son paternel. Et là, on n'a pas encore fini Hadès. En fait, Zagreus va devoir nettoyer les enfers 9 fois de plus pour avoir la vraie fin du jeu. Et à ce stade, Hadès n'est toujours pas terminé. Déjà parce qu'il reste toutes les quêtes secondaires qui, soyons honnêtes, consiste en majorité à donner du nectar aux dieux jusqu'à ce qu'ils aient bien envie de copuler les uns avec les autres, ok. Il reste aussi toute la partie décoration d'intérieur parce que votre cuisine mérite une boule disco. Oh, ça, j'ai et eu la il flemme. Reste des dizaines et des dizaines d'heures à farmer des ressources parce que vous méritez ce petit badge complètement inutile. D'accord, mais le véritable dernier défi d'Hadès,
n'est pas là. Le véritable dernier défi d'Hadès, il se matérialise sous la forme de ces trois petites statues. Elles sont purement cosmétiques, elles n'apportent aucun bonus, mais l'important ici, c'est que pour les débloquer, il faut utiliser le pacte des châtiments. Et c'est là que les choses se compliquent. En fait, dès qu'on termine le jeu pour la première fois, à chaque nouvelle run, le jeu nous propose ce fameux pacte, qui repose sur un système de points de chaleur. Chaque point de chaleur est un petit modificateur qui va artificiellement augmenter la difficulté d'une run en nous offrant le choix de notre propre punition. On peut décider de mettre ces points dans les dégâts des ennemis ou leur rapidité. On peut en mettre pour réduire la puissance de Zagreus, pour ajouter un chrono au niveau ou donner de nouvelles techniques au boss. On a le luxe de choisir notre propre poison. Et pourquoi s'infliger ça? Bah pour débloquer ces trois statues. C'était quoi votre arme préférée, vous? La première se débloque à 8 de chaleur, et 8 de chaleur, ça va à peu près. La seconde se débloque à 16, et ça commence à se corser, mais la troisième se débloque à 32. Et prenez cette info de la part d'un gars l'arc qui a turbo platiné Hades et tenté de speedrun le jeu pendant des années, 32, c'est vraiment difficile. Arc de Chiron. Mais ça se fait. Et là, bah GG, vous avez enfin terminé Hades. Le jeu n'a plus rien à vous offrir. Ou presque. Je vous explique. Le problème, il y en a encore un derrière. C'est qu'en voulant donner du choix aux joueurs pour qu'ils puissent placer les points de chaleur où ils le souhaitent, les développeurs ont aussi accidentellement donné le choix de ne pas choisir. Le choix d'absolument tout mettre. Le choix de faire monter la chaleur à 64. Et ça, c'est ce qu'on appelle le max hit. Et faut comprendre que c'est ni prévu ni voulu. À 64 de chaleur, il n'y a pas de récompense, de phrase de dialogue cachée, même pas une tape virtuelle sur votre épaule pour vous dire bravo. Non, il n'y a rien. Et de toute façon, il n'y a rien besoin de mettre en récompense, puisque les développeurs savent très bien que 64 de chaleur, ce n'est pas possible. À 64 de chaleur, voilà ce qui se passe. Les ennemis sont plus nombreux, beaucoup plus résistants, font beaucoup plus de dégâts, attaquent et se déplacent plus vite, alors que côté joueur, on ne peut plus se soigner, on ne peut plus choisir parmi les bienfaits proposés, tous les talents sont désactivés, on a une seule esquive et 50 de santé. Autant le temps que tu passes par salle. L'enfer. Ah ouais, ça c'est l'horreur. Tu crèves en boucle. Ok, en vérité, il y a une stratégie pour jouer en très haute chaleur. L'idée, c'est de compenser la faiblesse de Zagreus en optant pour un build hyper défensif basé sur l'arc, donc à distance, et en jouant de façon très prudente. Avec cette stratégie, on a pu voir du 60 de chaleur tomber en décembre 2020 et quelques mois plus tard du 62 de chaleur. Mais depuis, plus rien. Pas parce que les gens ne jouent plus à Hades. Non, il y a carrément toute une communauté qui s'est bâtie autour de l'idée de pouvoir réellement finir le jeu. Mais plutôt parce que les deux derniers points de chaleur semble le rendre impossible. En fait, ces deux derniers points, ce sont ceux de délacéré. Et délacéré, ça rajoute un chrono sur la run. 20 minutes maximum pour tout terminer. Ce que ça veut dire, c'est que lorsque délacéré est activé, il faut finir les niveaux rapidement et efficacement. Il faut beaucoup miser sur les dégâts et donc abandonner l'idée d'un build orienté survie. Ce qui, lorsqu'on est un Zagreus asthmatique face à des ennemis surdopés, est très compliqué. En fait, la petite communauté qui s'est formée autour de l'idée d'un jour peut-être parvenir à battre le max hit, elle est parvenue à une théorie. Un build potentiel qui pourrait être la clé de la victoire. Un build autour d'une arme inattendue, le bouclier avec l'aspect de Zeus précisément, qui, sur le papier, serait peut-être l'arme parfaite pour ce défi. Pourquoi ? Parce que le bouclier permet de bloquer les dégâts des ennemis, donc s'accorder de la survivabilité tout en infligeant suffisamment de dégâts de zone via l'attaque spéciale de Zeus, le disque foudroyant. Mais il y a un mais. Pour que ça fonctionne à 64 de chaleur, le strict minimum des bienfaits nécessaires pour ne serait-ce qu'avoir une micro-chance de réussir cette run ressemble à ça. Sauf que là où ça faut se tout complique avoir, quoi. Drastiquement, c'est que t'as pas de choix. Dans Hades, non seulement les bienfaits sont accordés aléatoirement, mais en plus de ça,
à 64 tu de chaleur, que le premier. Nous n'avons plus la possibilité de les choisir. Ah non, c'est même pas que le premier, c'est un au pif. Beaucoup trop les chances de tomber sur ce build qui, à ce stade, n'est de toute façon qu'une théorie. Salut, Jean-Roule. Alors avant d'enclencher une infinité de runs, ce serait tout de même pratique de pouvoir la vérifier, cette théorie. Et pour ça, il n'y a qu'un seul moyen. Il faut demander au speedrunner. Une run sur Hades dure en moyenne 30 minutes, mais la run la plus rapide d'Hades dure 2 minutes et 48 secondes. Si vous avez joué au jeu, vous vous dites certainement que ce n'est pas possible. Sans même parler des ennemis, le personnage ne va juste pas assez vite pour traverser 48 salles en 3 minutes. Et c'est vrai. Mais ça, c'est sans compter sur l'arme la plus puissante du jeu, les pieds de Zagreus. Regardez, ça, c'est Livraison Express. Un bienfait qui, sur le papier, est éclaté. Un bienfait qu'on n'est généralement pas ravi de recevoir, puisqu'il augmente nos dégâts en fonction de notre vitesse de déplacement et que la vitesse de déplacement dans Hades n'est jamais très élevée. Enfin, sauf si on arrive à cumuler, je sais pas, au hasard, 1500% de vitesse de déplacement. Ce qui permettrait non seulement d'avoir un personnage qui se déplace à la vitesse de la lumière, ce qui est plutôt pratique dans un speedrun, mais surtout un personnage qui cumule tellement de dégâts grâce à sa vitesse que le combat contre le boss final ressemble à ça. Let's fucking go. Holy shit. Holy shit. Et ce que vous voulez voir, c'est uniquement possible parce que les speedrunners sont parvenus à dompter l'aléatoire de ce jeu. Genre le build ultime. Qui n'est composé que d'aléatoire. En réalité, pour avoir 1500% de vitesse de déplacement, il faudrait n'avoir que des bienfaits qui accordent de la vitesse. Et dans cette run, c'est le cas. C'est aussi le cas du deuxième, troisième, quatrième et cinquième meilleur temps, puisque ce que vous êtes en train de voir appartient à la catégorie Seeded. Il n'y a pas vraiment de traduction pour ce mot en français, mais ce que ça veut dire, c'est que t'as une run précise, quoi. Si Hades peut donner l'impression que les runs sont totalement aléatoires, bah en réalité, c'est pas vraiment le cas. Le système caché derrière Hades ressemble à peu près à ça. C'est un système de chemin dans lequel ce sont nos actions pendant la partie qui modifient le cours de la run. Donc en prenant une run prédéfinie et en exécutant un certain nombre d'actions qui à première vue n'ont aucun sens, détruire du décor, ouvrir le menu du marchand 4 fois, couper une ligne de dialogue, les speedrunners peuvent manipuler la RNG à leur guise et forcer le jeu à ne leur accorder que ce qu'ils souhaitent. En l'occurrence, de la vitesse de déplacement. C'est comme ça qu'Hades se fait oblitérer en moins de 3 minutes. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir déterminer si le 64 de chaleur est théoriquement possible. En créant une route dans laquelle tous les bienfaits de ce théorique nous sont accordés. Souvent et speedrun, c'est la globalité qui est impressionnant de comment ils y arrivent. Matt Speed a envoyé ses deux meilleurs joueurs, Badge et Angelic, pour tester cette run prédéfinie. Et soyons honnêtes, 9 fois sur 10, le runner se fait éclater, mais la mauvaise nouvelle, c'est que ça semble possible. Parce qu'une fois sur 10, ça passe. Ce build théorique n'est plus uniquement théorique, et pourquoi je dis que c'est une mauvaise nouvelle ? Parce que ça a beau être possible, ça n'arrivera pas. Et ne prenez pas mes paroles pour argent comptant, prenez celle d'Aelian, le plus grand créateur de contenu au monde sur Hades, qui s'est donné pour mission de calculer les probabilités qu'un joueur puisse tomber sur ce build dans une vraie partie. Des probabilités calculées à l'aide de la formule qui s'affiche à l'écran, et dont je vais vous épargner les détails, pour vous annoncer qu'au terme de sa vidéo, intitulée « Pourquoi le max hit dans Hades relève de l'impossible », Aelian révèle que les probabilités Charlie, Sucre Mars, bienvenue. Build en vraie partie sont de 0,0. Une chance sur 6000 runs. Ça le fait, hein. Soit une tentative sur 6802. Alors, est-ce possible? Ils sont des terres ou ils sont pas des terres? Oui. Est-ce raisonnable de l'envisager? Absolument pas. Sauf. Pour avoir osé défier les dieux, Sisyphe fut condamné dans le Tartare à faire rouler éternellement jusqu'en haut d'une colline rocher qui en redescendait chaque fois avant de parvenir au sommet. Le max hit, c'est ça, c'est la punition de Sisyphe. C'est lancer des runs infiniment jusqu'à ce qu'un petit souffle d'aléatoire vienne tout gâcher encore et encore et encore.
Mais la vidéo d'Aelian n'a été perçue comme rien d'autre qu'un défi, une provocation. Zagreus est l'un... Oh pardon, j'avais pas vu. Le Sky qui me raid. Merci, merci le frérot. Putain. Le danseur de salsa, quoi. Le danseur de salsa qui nous envoie un raid. C'est vrai que je me suis connecté en début d'après-midi. J'ai vu que Sky était en live. Ça devait faire quelques temps. Pouah, il véhicule le message, lui. Trop cool les vlogs GG encore pour Dalcy. Merci frérot. On m'a dit que t'avais react, il faisait un react sur des vlogs. Bah écoute, trop cool, Sky il a suivi toute l'aventure danser avec les stars d'internet. Il m'a envoyé plein de messages, plein de soutien. Ça m'a régalé, c'était trop gentil, merci beaucoup. On est en train de react du petit combo. On a maté une vidéo juste avant et là on matait la quête impossible pour finir Hades. Et on est sur la fin, sur le level le plus difficile. Je crois que sa personnalité se reflète dans la commu Max Heat, parce que plus on leur dit que c'est impossible, et plus ils vont continuer. Alors les runs continuent. Elles continuent parce que ce serait trop beau. Est-ce qu'il y en a un qui l'a démoli ou pas là ? Ce serait encore plus beau que ça arrive maintenant, très peu de temps avant la sortie d'Hades 2 et de surcroît. Ce serait fou. Après que le plus grand créateur de contenu ait déclaré que ça n'arriverait pas. C'est un speedrunner lui aussi ou pas ? Très vite toquer à la porte de ces ambitieux joueurs pour leur dire non. Ok, on sait que c'est possible, d'accord, mais on sait aussi que ça n'arrivera pas parce que les probabilités sont tout simplement trop faibles. De toute façon, il n'y a que deux réels candidats potentiels dans le monde, les deux seuls qui ont réussi à terminer le 64 de chaleur avec une run prédéterminée, Badge et Angelic. Sauf que Badge semble ne plus y croire du tout. Badge et tilt. Du côté d'Angelic, on peine beaucoup à tomber sur cette fameuse. Il a des bons scores de speedrun, mais loin du top. Ça okay. Fait seulement une semaine qu'Aelian a publié ses conclusions, et ce qu'on peut voir du gameplay d'Angelic ne semble prouver qu'une seule chose. Il avait raison, on peut l'avoir continué de pousser ce rocher en haut de la colline encore et encore pour au final devoir recommencer. Il y a un mec qui a débarqué nulle part. Dieu offre le mauvais bienfait. Sauf. Ah oh oui. Jusqu'à ce que. Ah le jusqu'à. Oh. C'est un retour explosif, oh, technique foudroyante, ok, on a un début de run. Électricité statique qui tombe juste après, d'accord, on a vraiment une run. Le Tartare, c'est 8 salles et Mégère, c'est fait. L'Asphodel, c'est plus compliqué. On cherchait l'appel de Dionysos pour compléter le build, mais c'est celui de Déméter qui sera offert. Faudra faire avec. Et c'est pas évident, mais ça passe aussi. Direction l'Elysée. Elle régène quand même. Même si Angelic joue incroyablement bien, les ennemis sont d'une punitivité sans nom, mais encore une fois, de justesse, elle s'en sort et récupère même la seule pièce manquante du build. Double frappe. Direction le Styx, direction le vrai défi de cette run. Hades. C'est ici que tout se joue. À la moindre. Parce que c'est pas exactement le bon build, du coup. Retour à la case départ, à la plus petite faute d'inattention. C'est une chance sur 7000 qui est jetée à la corbeille. Aïe aïe aïe. 4 minutes restantes sur le timer. Ce n'est pas le moment de se poser des questions. C'est le moment de se battre. Il reste 2 minutes 40, ça se fait. 68 HP. Oh, le misclick. 1 minute 14 quand même. 30 HP. Il le déglingue. Ça y est, ça aura pris plus de 5 années, mais ce chef-d'œuvre qui est Hades est terminé. Chaleur 64, le défi proclamé impossible à 30 secondes de la fin. Une semaine plus tôt, a été battu. Et je crois pouvoir dire qu'il se tient fièrement aux côtés de Halo Lasso Deathless, de la Godrun ou des épreuves de la mort. Dans le panthéon des défis les plus incroyables du jeu vidéo. Il y en a d'autres qui ont réussi entre temps bon, ou pas Super Giant. Maintenant. Vous pouvez sortir Hades 2 et, cette fois-ci, prévoyez un peu plus de chaleur. Moi. J'ai Angélique. Y'a que Angélique qui a réussi ? Incroyable.
Putain, encore une fois, hein. Encore une fois, c'est costaud, un combo, hein. C'est quoi le nom de la chaîne? C'est Combo, K-O-M-B-O. Il y a le lien épinglé, dans le chat si jamais vous voulez. Vous avez peut-être déjà... Mais non, en vrai, c'est toujours kiffant, hein. En fait, c'est des bons formats parce que c'est des 15-20 minutes. Donc du coup, même si tu connais pas trop, tu sais, l'ambiance ou autre, il va te mettre dedans, donc... J'ai vu les affiches Gentleman à Saint-Lazare. Non, j'ai pas vu. Allô, STP. On s'en met une dernière. En fait, tu vois, comme c'est 15 minutes, c'est vrai que ça donne envie de pouvoir en mettre une dernière. Allô, ça donne envie, allô? T'as un allô comme ça, ça me donnerait pas envie sur le papier. Moi, j'ai jamais vu les ravagés, là. C'est un autre format. Enfin, c'est plus long, c'est 30 minutes. Ce qu'on avait vu, Hitman, c'était vraiment bien. Hitman, c'était... Hollow Knight. Hollow Knight, je connais zéro, en plus. Le boss impossible d'Hollow Knight. La plus belle victoire des jeux de combat. Mais non, je dois aller le sponsoriser. Ravager, c'est excellent. J'en ai jamais vu, je veux bien peut-être en voir un, Ravager. Je sais pas ce que c'est, je sais que c'est une série qui fait de... Tu vois, le Ravager de Minecraft, le Ravager de Pokémon. C'est quoi le meilleur Ravager pour quelqu'un qui connaît pas? J'avoue que c'est des jeux auxquels je pourrais jamais jouer perso. Mais un plaisir de pouvoir voir... d'avoir regardé ces deux vidéos. Ouais, bah, c'est les jeux à speedrun, faut déjà le temps et... Le Ravager de Minecraft? Il y en a deux de... Ouais, on avait vu les deux d'Hitman. On avait vu. Wow, Minecraft. C'est assez dark, by the way. Ah ouais? Je vois pas du tout ce que c'est. Oh, vous savez plus là du coup. Le ravager de Discord. Ça m'a dit... c'est Minecraft le meilleur. Wow, c'est dark. Oh, flemme d'un truc dark. Peut-être on se mettra à appel... Appel d'urgence déjà, c'est déjà assez... Bon, vas-y, on s'envoie Minecraft. Étoile. Deux bâtons, trois blocs de pierre, bravo. C'est quoi, vous c'est venez de fabriquer une pioche. Tous les ravagés sont bien. C'est généralement une des premières choses que l'on fabrique dans Minecraft, parce qu'une pioche, c'est utile pour presque tout. Et n'importe quel être humain, à peu près normalement constitué, voit cette pioche et se dit « Ok, qu'est-ce que je vais pouvoir construire avec ?» Un ravagé voit cette pioche et se dit « Ok, qu'est-ce que je vais pouvoir détruire avec ?» Soyons honnêtes, s'il y a un jeu qui n'a pas besoin d'introduction, je crois que c'est Minecraft. Et j'aurais aimé vous dire qu'un jeu aussi doux et poétique que celui-ci fait exception à la règle et qu'aucun ravagé ne s'y trouve, mais ce serait un mensonge. Laissez-moi plutôt poser le premier bloc de la face sombre de ce jeu vidéo. Bienvenue dans les ravagés de Minecraft. J'ai jamais vu exactement, donc c'est des mecs qui se sont butés au tryhard en gros et que ça a fait vriller, c'est des mecs qui ont fait des trucs de fou. On va voir, pardon, je pose des questions mais je vais découvrir. C'est des coups, merci pour les 2 mois. Leonhurt aussi 2 mois, merci beaucoup. Mais puisqu'aujourd'hui on parle de manipulation, j'ai un personnage à vous présenter. Ce personnage, c'est Kafka de Honkai Star Rail. Kafka, ça fait partie des meilleurs persos, hein, Kafka. Minecraft, c'est un sacré paquet de joueurs, et même si les ravagés de ce jeu n'en constituent qu'un très faible pourcentage, un très faible pourcentage de 200 millions, ça reste assez conséquent. Et quand je dis assez conséquent, je veux dire qu'après avoir passé des dizaines d'heures à les trouver, à les analyser et les lister, je vous le dis, hein, des ravagés dans Minecraft, il en existe vraiment beaucoup. En fait, regardez, si je les capture tous dans un enclos, ça donne à peu près ça. Et on y trouve déjà de sacrés spécimens, hein. Regardez, lui, c'est Minecraftvenger, le justicier du speedrun Minecraft qui a débusqué les tricheries des autres pendant des années jusqu'à ce qu'on se rende compte que... Lui aussi. S'il pouvait aussi facilement identifier les tricheurs, c'est parce qu'il en était un. On y trouve aussi des charognards de la première heure, comme Brazo, un créateur de contenu, si on peut appeler ça comme ça, qui s'est empressé de littéralement farmer le décès du légendaire Technoblade à coups de plusieurs vidéos par jour et d'une soi-disant cagnotte qui s'est avérée évidemment fictive. J'ai même en stock quelques escrocs. Lui par exemple, c'est Lugasco, et Lugasco en 2014, il a organisé la Minorama, une convention Minecraft
qui s'est vue annulée au tout dernier moment, emportant au passage avec elle les rêves brisés de nombreux enfants, ainsi que le joli petit pécule des tickets vendus, s'élevant à plus de 500 000 euros. Et lui, c'est un individu déjà beaucoup plus dangereux. C'est le hacker Anna Senpai qui, merci, en créant Janou, le botnet Mirai pour DDoS des serveurs Minecraft, a malencontreusement créé une des armes informatiques les plus puissantes jamais imaginées. Il a carrément fait couper Internet à un pays tout entier pendant une semaine, ce qui lui a très logiquement attiré les foudres du FBI. Bon, je crois que vous voyez l'idée, pas mal, la il y a série, toutes là. Sortes de ravagés à des degrés plus ou moins élevés. Et oui, si vous vous demandez ce que c'est que cet enclos deux fois plus gros là-bas au loin, eh bien c'est l'enclos réservé aux ravagés de type prédateur. Mais je crois que je n'ai plus envie de donner de la visibilité, même négative, à des renifles bambins sans foi ni loi. Alors, pourquoi je vous montre tout ça? Bah parce que dans l'eau, il existe aussi cet individu. Comme vous le voyez, il est le seul à avoir droit à sa cellule individuelle dans mon repère à ravager, et c'est pas pour rien. C'est parce que ce monsieur, ou plutôt cet adolescent, aurait pu, à un moment précis, mettre toutes nos vies en terrible danger. Il aurait pu faire s'effondrer l'économie globale ou nous rapprocher très dangereusement d'une troisième guerre mondiale, et le tout à Minecraft. La seule force de son talent pour la manipulation. Ce gars-là, c'est Open. Qu'est-ce qu'il a fait, ce mec? Ok, ça, c'est Minecraft Hardcore Faction. Le serveur de PVP. C'est ça ou pas du tout? Le but, rejoindre une faction, construire une base et la défendre, c'est un mode, pardon. Coûte que coûte, tout en lançant des raids sur les bases ennemies. C'est assez simple, c'est du PVP dans sa forme la plus pure, la plus brutale. Mais la particularité de le système solaire, à ce que j'ai entendu, si un joueur meurt, il est banni du serveur pour un temps limité, généralement 2 heures. C'est ce qui fait que ce mode hardcore est hardcore. Ah, sympa. C'est ce qui rend le fait de mourir punitif. Et si sur le papier ça semble être assez logique, dans les faits, des rivalités, des frictions entre les factions naissent, assez souvent, les joueurs n'attendent pas patiemment la fin de leurs 2 heures de ban. En fait, ils utilisent ce temps pour continuer le combat, mais en dehors du jeu. On parle de piratage des comptes des adversaires, on parle de DDoS, on parle même de swatting. Ah ouais. Toutes ces joyeuseries les mecs sont déter, quoi. Monnaie courante dans la communauté Hardcore Faction. C'est le mode de jeu réputé comme ayant de très loin la communauté la plus toxique de tout Minecraft. Les bad kids. Dans cette communauté se trouve Open. On est en 2016, Open il a 12 ans et il est obsédé par ce mode de jeu, à tel point qu'il a même ouvert une chaîne YouTube uniquement dédiée à ça. Et faut dire ce qui est, bah le jeune Open, il est plutôt doué. Ah mais tu commences honnêtement sur internet avec ce genre de serveur, c'est dur de il est surtout connu pour de rester normal, des pièges, quoi. Là, c'est constamment réussir à manipuler les joueurs ennemis pour qu'ils tombent à l'intérieur. C'est un présage de ce qui va se passer, vous verrez. Mais en tout cas, ce petit bonhomme intelligent et manipulateur rencontre un succès assez explosif sur YouTube, mais qui ne sera que de courte durée. Parce que voilà, dans tout ça, il y a un petit problème. Et le problème, c'est qu'Open, il est particulièrement toxique. Rien d'anormal dans une communauté comme celle-ci, vous me direz, et c'est vrai. Sauf que lui, il dépasse très largement les limites de l'acceptable, même pour la communauté la plus toxique de Minecraft. On parle de giveaway truqué, on parle de DDoS, même ses abonnés, on parle de racisme, d'escroquerie envers d'autres youtubeurs, bref, à 12 ans, ouais, 12 c'est piges, déjà c'est une le... jolie petite carrière criminelle, c'est un démon, le gars, qui débute. Et en plus de ça, Open, il y prend un malin plaisir. Les vraiment les bad kids de TeamSpeak, tu sais. Matteo, merci pour le prime. I don't play with your crap, bro. You mess with me, you mess with my boy. You know, you wanna know who my boy is? My boy. Oh, vraiment le. Bon, jouer la terreur sur Minecraft. Les ambiances c'est terribles. Sympa, mais ça a ses limites. En fait, Open fait désormais face à un problème. Petit à petit, tous les serveurs Minecraft Hardcore Faction l'ont tour à tour banni. Il crée son serve. Après un peu plus d'un an à terroriser cette communauté, Open est désormais dans une impasse.
Mais il a une idée en tête. Puisque plus personne ne veut de lui sur Minecraft, il va se tourner vers un autre passe-temps. Un passe-temps dans lequel le Hardcore Faction et toutes ses déviances aura été un très bon centre de formation. Puis Copen se dirige vers le chemin noueux de la traque au pseudonyme sur OG User. Et je me doute que ça doit pas être très clair, alors laissez-moi vous expliquer. Prenez son pseudo par exemple, Open. Ouais. C'est court, commun, impactant et probablement déjà pris partout. Donc il y a de grandes chances que ce pseudo, il ait dû l'acheter. Et pour ça, la place de marché, c'est un site qui s'appelle OG User. Et okay. Oui, sur ce site, ces pseudos sont dans 99% des cas volés à d'autres utilisateurs dont les comptes ont été piratés. Regardez, ça par exemple, c'est une liste de pseudonymes Instagram vendus sur OG User ainsi que les prix qui y sont associés. Et ça peut chiffrer. Des pseudos comme j'ai ça. J'ai récupéré le Domingo Mario, sur TikTok. Link, tous Dream, les Espagnols. John, Tom, en ça rêve. A désormais de la valeur dans notre monde. Tellement de valeur en fait que cette année, un homme en est mort. Il ne voulait pas lâcher son pseudo, @Tennessee, ce qui a agacé un chasseur de pseudo qui a décidé de le swatter et le pauvre homme en a fait une crise cardiaque. Alors, si ça paraît tout mignon en apparence, de faire la chasse au pseudo, ça l'est clairement pas. Sur OG User, on parle d'extorsion, de harcèlement, de chantage, c'est très sombre. Et c'est cette voie qu'a décidé d'emprunter Open. C'est sur OG User qu'il va mettre à l'œuvre ses compétences en manipulation. Et encore une fois, faut dire ce qui est, il est fort. Il est fort parce que dans son arsenal de compétences acquises sur le Hardcore Faction, il a emporté avec lui son arme de prédilection pour voler des pseudonymes. Et cette arme, c'est le sim swapping. En fait, le sim swapping, c'est plutôt facile à comprendre. C'est du jeu de rôle dans lequel vous devez vous faire passer pour un employé de SFR, par exemple, pour faire basculer les données d'une carte SIM, celle petit de la tuto SIM swap. Vers une autre carte SIM, celle de l'attaquant. Avec ça, on peut berner les systèmes de double authentification et donc réinitialiser un compte pour subtiliser un pseudonyme. Et en RPSFR, Open, il se débrouille vraiment bien. En fait, il va passer près de 3 années à voler des pseudonymes. Pour ça qu'il faut pas avoir des trucs de double authentification SMS parce que le sim swapping c'est genre cata quoi. Pseudo avec cette technique. Mais à l'approche de ses 17 ans, il commence à trouver que tout ça ne va pas assez vite. Au grand maximum, un pseudonyme très rare pourrait se vendre dans les $5,000. C'est beaucoup d'argent, mais Open, lui, il rêve de beaucoup plus. Et il commence à se dire que sa technique de sim swapping, elle pourrait tout aussi bien servir à craquer bien plus que des comptes Minecraft, Twitter ou Instagram. En fait, cette technique, il pourrait aussi la mettre à profit pour forcer des comptes bancaires, voire encore mieux, encore plus difficile à tracer, des comptes crypto. C'est décidé. Open est lassé de ces petites arnaques. Il veut frapper swap, t'as un eu grand des coup. Et sans surprise, c'est ici que les vrais problèmes commencent. Bon, radier. Salut. Ok, lui, c'est Greg Bennett. Ouais, c'est Greg. Greg, il travaille dans le milieu de la tech depuis plus de 45 ans, il a fait fortune et c'est d'ailleurs un investisseur en Bitcoin de la première heure. Sur Internet, il se raconte même qu'il en posséderait plus de 400 sur son compte crypto personnel. Monsieur. Avance rapide jusqu'au 15 avril 2019, Greg est au téléphone avec son fils lorsque tout à coup, son téléphone n'est pas le radis. Plus aucun réseau, plus aucun accès à Internet, plus rien en fait. Et Greg s'y connaît suffisamment. Pour lui, ça ne fait pas le moindre doute. Il est victime d'une attaque de sim swapping. L'auteur de cette attaque, c'est évidemment le jeune Open qui a pu lui dérober 164 bitcoins avant que Greg ne parvienne à arrêter l'hémorragie. Près d'un million de dollars à l'époque, 6 millions aujourd'hui. Ça fait beaucoup de thunes, le coup de maître était réussi et pour Open, il était temps d'en profiter un peu. Open, 14 ans. Ah, 17, non, pardon. Il y a 17 ans quand il a volé vraiment le Bitcoin. Un point commun assez récurrent avec les criminels d'Internet.
Ils ont beaucoup de mal à rester discrets. Open commence curieusement à se rendre au lycée sous habit de designer, sous Rolex et BMW série 3. C'est clairement pas la voie de la discrétion qui a été choisie et il ne faudra que 2 semaines au FBI pour remonter jusqu'à lui, déposer un mandat d'arrêt et lui rendre une agréable petite visite de courtoisie matinale. Ils s'attendent à retrouver les 164 bitcoins volés à Greg, mais c'est plus de 400 bitcoins qu'ils vont trouver. Ce qui laisse très largement penser que Greg Bennett n'a pas été sa seule victime. Sauf que Open est toujours mineur. Il a 17 ans et 4 mois à ce moment précis et c'est très compliqué au niveau fédéral d'inculper un mineur pour des fraudes financières. Donc sa seule sanction, en dehors du fait de se faire virer de son lycée, sera de juste rendre les bitcoins qu'il a volés à Greg. C'est tout. Mais il en reste en fait, 300, à quelques coup. Mois près, s'il avait été majeur, Open aurait écopé d'une peine beaucoup plus lourde. Il s'en tire vraiment très bien dans cette histoire. Il a 17 ans, il a tout juste échappé à de lourdes sanctions et a pu conserver plus de 300 bitcoins qu'il a obtenus, on ne sait comment, mais probablement sur OG User. C'est une chance de fou que le système lui donne de se rattraper, d'investir mais dans une affaire il y légale, retourne. De tirer sa révérence, il se dit je vous baisse tous, et de mettre c'est quoi son le FBI talent au service de quelque chose de productif. Mais Open ne voit pas du tout les choses de cet œil-là. En fait, lui, ce qu'il a retenu de toute cette affaire, c'est surtout je suis que le roi son du statut monde. De mineur, ça le rend pratiquement invincible. Il peut arnaquer et voler des gens sans risquer la prison. Pour lui, c'est un déclic. C'est une course contre la montre qui s'enclenche. Il lui reste 8 mois avant d'avoir 18 ans. Le compte à rebours est lancé et il était temps pour lui de préparer son ultime coup de maître. Le braquage de Twitter. Hein ? C'est Greg Spasso. Open est familier avec les arnaques sur Twitter puisqu'il a piraté et revendu de nombreux pseudonymes Twitter sur OG User. Mais ce qu'il veut faire avec ce coup, c'est différent. Il ne veut pas pirater des utilisateurs cette fois, il veut directement pirater Twitter tout entier. Et Twitter, évidemment, c'est plutôt bien protégé matériellement, on n'y trouve pas une brèche si facilement, mais s'il y a bien une chose que c'est... C'est pas 21 ans la majorité des US. Si, mais c'est... Ils ont peut-être différents types de... Enfin, pas majorité, mais 21 ans, c'est pas par exemple pour l'alcool, etc. Mais peut-être la majorité devant la justice, c'est 18 ans, non ? C'est un truc comme ça ? Les années de Hardcore Faction qui ont appris, c'est qu'il existe toujours une brèche. Open commence à se renseigner et réalise que près de 1500 employés de Twitter ont accès au panel administratif. C'est que pour l'alcool, ça dépend ce que ça des veut états. Dire, okay. C'est que ces 1500 employés ont la mainmise sur le site tout entier. Ça fait 1500 opportunités d'arriver à son objectif et vous allez voir que ça ne va pas être si compliqué que ça en fait. Regardez, ça c'est LinkedIn. C'est le réseau social du travail. Il rassemble des employés et des employeurs. Le truc c'est que sur LinkedIn, il existe un abonnement payant, l'abonnement recruteur. Et si les employés ont décidé d'afficher leur numéro de téléphone pour diverses opportunités, bah cet abonnement permet de récupérer leur numéro. Open, il va souscrire à cet abonnement. Je crois que ça existe plus ça, parce que moi j'avais mon numéro là-dessus, je me faisais contacter par des mecs, t'as des extensions qui... Et commencer qui à permettre d'avoir le chaque truc. Employé de Twitter présent sur LinkedIn. Le beach, en fait, merci son pour le prime. Jeu, c'est d'utiliser à son avantage la pandémie qui faisait rage à cette époque. Il sait que la très grande majorité d'entre eux sont en télétravail. Il se fait donc passer pour le support technique de Twitter qui chercherait à résoudre un problème avec le réseau interne et leur demande tout simplement okay, de pas. Se connecter à cette page. Cette page, elle ressemble à 100% au VPN officiel de Twitter, sauf que c'est évidemment une page de phishing qui va lui permettre de récupérer les logins et mots de passe de la cible. Le calcul est très simple. Si parmi tous les employés de Twitter qui ont mis leur numéro sur LinkedIn, un seul d'entre eux dispose des accès au panel administrateur, c'est gagné. Et vous savez combien de temps ça lui a pris de craquer un des plus grands réseaux sociaux du monde ? Seulement quelques heures. Wow. Le 3 mai 2020, il siphonne le login et mot de passe d'une proie qui a accès au panel administrateur. Comment et ça, je suis hacké ? C'est qu'Open a désormais un pouvoir absolu. Ah, cette tête.
cette tête en effet. Sur tout le réseau, et c'est là que ça devient terrifiant, parce qu'il peut faire dire ce qu'il cette veut tête, on la à connaît. Qui il veut. Il peut lancer des rumeurs qui seraient dévastatrices et influer sur des décisions politiques. Il peut faire s'effondrer l'action d'une ou plusieurs entreprises en un simple tweet. Il peut provoquer des conflits géopolitiques d'une ampleur sans nom et nous rapprocher très dangereusement d'une guerre mondiale. Les enjeux sont vraiment colossaux. Mais au lieu de ça, Open, qui jusqu'à maintenant n'a fait preuve que d'une intelligence supérieure, va opter pour une option réellement improbable. Il va opter pour la plus vieille arnaque des MMORPG. Il va opter pour une arnaque au double. Donne-moi 10 pièces d'or aujourd'hui et je te rendrai le double dès demain. Le 15 juillet 2020, c'est les comptes Twitter de Joe Biden, de Bill Gates, Barack Obama, Elon Musk, Jeff Bezos, MrBeast, Kanye West, les Kardashians, Floyd Mayweather, Binance, Apple, 130 comptes au total qui vont proposer aux utilisateurs de Twitter une super affaire. Un bitcoin envoyé, 2 bitcoins rendus. Ça a mis 3 heures avant que Twitter ne puisse agir. Plus de 350 millions de vues sur ses tweets. Et si on met de côté le fait qu'il aurait pu faire des dingueries, combien on a récupéré, et qu'il a opté pour une arnaque de joueur Dofus, ça a surtout été un petit échec. 415 personnes au total sont tombées dans le panneau pour un butin s'élevant à 11 bitcoins en tout. Soit environ 100 000 dollars à l'époque, et 100 000 dollars, c'est beaucoup d'argent. Ah, c'est là où t'as dû avoir des gens désespérés, tu vois, qui se sont dit « Putain, il y a Barack Obama qui vient de mettre un tweet, là j'ai l'occasion de ma vie, c'est dans le désespoir, tu vois, les gens qui sont un mélange de désespoir et de bêtise, tu vois, mais de... Où tu te dis « Putain, vas-y, j'envoie, là, j'envoie, j'ai un quart de bitcoin, là, ça peut peut-être... Peut-être que demain, je peux avoir la moitié, là. » Mais c'est risible. Barack, il va me le rendre, là. De l'ampleur de cette fraude. D'autant que seulement 2 semaines plus tard... À la fin du mois de juillet, le FBI arrête une nouvelle fois Open. Il est toujours mineur et plaide non coupable de tout ce dont il est accusé. Mais cette fois-ci, il n'échappera pas à la roue de la justice. Fraude organisée, vol d'identité, il est soupçonné de plus de 30 chefs d'accusation et sa caution est fixée à 750 000 dollars. Il est directement conduit en détention en attendant son jugement qui arrivera quelques jours plus tard et qui sera effectué sur Zoom en ligne puisque la pandémie est toujours là. Et c'est le moment où ses anciens potes de chez OG User qui... forcément, ont eu vent de cette affaire, se sont dit que, boah, ce serait sympa de faire un petit coucou à leurs potes. Ils ont piraté la conférence Zoom du jugement d'Open pour y faire, pour y faire ça. Yo, Your Honor. Sorry, I'm removing people as quickly as I can whenever a disruption happens. Oh, c'est vrai que les jugements version Zoom, etc. Là, ça se tape une gigantesque barre. I'm gonna end this call. 3 ans ferme. Open a pris 3 ans ferme pour le hack de Twitter. À quelques mois près, s'il avait eu 18 ans, il aurait pris au minimum 10 ans de prison. Il a été récupéré, c'est non, par le FBI et tout fait pour. Le mineur qu'il a sauvé, d'autant que sur ces 3 années, il ne passera que 7 mois derrière les barreaux et le reste à travailler dans une maison correctionnelle. Open est libre depuis le 24 février 2023 et dans précisément 3 ans, lorsque son interdiction d'utiliser un ordinateur ou tout objet connecté sera levée, il pourra récupérer les minimum 300 bitcoins qu'il attend bien au chaud et continue de prendre en valeur, s'élevant aujourd'hui à 12 millions de dollars. Le piratage de Twitter par Open, aujourd'hui, c'est considéré comme un des piratages les plus audacieux de tous les temps. C'est un exploit en termes d'ingénierie sociale qui a été réalisé par un simple adolescent qui a appris toutes ses stratégies sur Minecraft Hardcore Faction. C'est lunaire, mais c'est surtout ce qui l'a mené à sa perte. Le système lui a tendu la main,
plusieurs fois et à chaque fois, il a décidé de la mordre. Pourquoi ? Parce qu'Open n'a pas su s'arrêter. Ça vaut plus rien, les bitcoins. Bah là, le bitcoin doit être à 65 000 dollars, quoi. Donc 60 000 dollars, quand t'en as 300, si tu veux, t'es pas si mal, quoi. T'es en situation où ça se passe plutôt bien. Il n'a pas compris l'importance de parvenir à dire stop. Ce qui m'amène... 67 800, regardez-les là. À moi, à nous et à cette série de vidéos. Au cours des derniers mois, j'ai adoré vous emmener avec moi explorer le ravagisme dans le jeu vidéo et d'après vos retours, ça vous a aussi beaucoup plu. Mais je crois que j'aimerais arrêter pendant que c'est cool plutôt que d'attendre que ça devienne nul. Il y aura encore un... Ah t'as raison, moi c'est ce qu'il disait, c'est que ça devait être la limite. Je connaissais pas ce format. En fait c'est particulier parce qu'on est toujours sur des trucs où en fait t'as envie de te dire putain le gars... Tu sais, c'est les génies du mal, tu vois ce que je veux dire. Et tant que t'es pas impacté par... Parce que tu vois, quand on se parle de phishing, quand on se parle de sim swap, etc., c'est genre, tu peux te faire littéralement détruire ta vie, quoi. Et en vrai, en fait, c'est hyper particulier. On va pas se lancer dans un débat lié à la justice, lié au juridique et tout, tu vois. Mais en fait, sur Internet, t'as tellement de possibilités de... Enfin, je pense, tu vois, on a tous fait des petites magouilles sur des MMO, des trucs comme ça et tout, tu vois. Mais... T'en as qui sont intelligents et qui comprennent vite les limites et tout. Et tu vois, récemment, on avait eu des histoires, bah, c'était lunaire. Souvenez-vous, ici, quand on avait eu justement les hackers là, avec l'arnaque sur Discord qui se passait de compte en compte, où ils avaient hacké un compte, ils se faisaient passer justement via un peu de chat GPT, via des petits messages en mode « Ah, vas-y, teste mon jeu », etc. Et que ça se passait de partout, tu vois, avec le Xav, etc. Ça avait pris des proportions où du coup, on s'était retrouvé sur Discord avec des gamins, des mecs de 15 à 17 ans qui... ont compris une faille, tu vois, qui n'était pas forcément en haut de l'échelle, tu vois, de tout ce qui est hacking, etc. Mais qui, du coup, l'ont exploité et se disent juste « En fait, bah les couilles, moi, je suis mineur, je peux faire chier autant de gens que... » C'était lunaire, hein, ce moment, quand même. Hein. Vraiment, sur Discord, quand on avait les gars et tout, qui étaient en mode un peu prêt à tout, pour pas grand-chose, pour revendre des badges Discord. En fait, leur arnaque, c'est qu'ils volaient les comptes Discord, ils en chopaient d'autres, et sur certains comptes Discord, t'avais des badges qui du coup te permettait comment ça s'appelle, bah, en fait, d'être revendu et d'avoir de l'argent. C'était, et en fait bah, du coup t'avais un sentiment un peu d'impunité de bah, en fait on est mineur, il se passera rien, tu t'y connais bien. Bah ouais, un pote qui a eu des galères et les mecs m'avaient un peu expliqué le truc. Et ensuite j'avais eu Micode un peu qui m'avait expliqué un peu plus en profondeur le type d'arnaque que c'était. J'avoue que je connaissais pas, etc., quoi, tu vois. Mais du coup il y a un truc de comment dire, où ça arnaque des gens, où t'as des gens, en fait, ils se sont retrouvés avec tout leur log, tout leur compte bloqué, où les mecs te disent concrètement, bah en fait, c'est une rançon, quoi. Et du coup... Non, mais tu sais, c'est vrai que c'est les trucs où... parfois, tu dis, ah ouais, le petit génie, mais quand t'es en face, en fait, et que potentiellement, c'est des pères et mères de famille qui se retrouvent, tu vois, soit ruinés, soit sans accès, en panique totale, sans savoir quoi faire, derrière... Ça donne une autre réalité, quoi, tu vois, d'extorsion, etc., quoi. Mais, ouais, la fin, la faille, c'est à chaque fois la personne. Sinon, j'ai jamais entendu un hack pur. Bah, ça doit arriver sur des gros cracks. Ensuite, oui, forcément, c'est un moment où tu laisses entrer la personne, tu vois, mais... Malheureusement, c'est un peu vrai, ils laissent pas grand-chose en étant mineurs. En tout cas, ils ont moins à perdre que ce qu'ils prennent aux victimes. Ouais, forcément. Après, c'est des trucs qui parfois te suivent et tout, mais... Mais ouais, non, quand même, 80-90% des cyberattaques, c'est des erreurs humaines. Non, mais c'est pour ça que, bah, tu vois, dans les entreprises, ils font beaucoup de formations pour ce genre de choses et tout. Mais même, hein, tu vois, t'as différents niveaux de profondeur d'arnaque, tu vois. T'as le phishing de base, tu vois, t'as des trucs un peu débrouteurs où tu te fais contacter par une meuf qui te dit « Putain, c'est énorme, je suis juste tombé amoureuse de toi, en fait. » C'est fou, mais ça m'était jamais arrivé. Mais c'est, chez Ubi, on a des formations tous les 3 mois au moins. Bah non, mais c'est important, surtout que les trucs deviennent de plus en plus poussés quand même, quoi. Donc, quand même. Hein. Parfois, tu réfléchis pas à cause du stress, de la peur, quand c'est ta banque qui t'envoie un message d'urgence. Bah ouais, ça joue sur ces trucs-là, quoi. Non, mais c'est pour ça que tous les trucs, par exemple, c'est les trucs cons, hein, mais de double authentification, en vrai, c'est nécessaire, tu vois. Et derrière, par SMS, bah, ça te garantit pas non plus d'être forcément protégé, quoi. Mais ouais, non...